Hello, coucou, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. En tous les cas, moi, je suis ravie. Il y a un petit coup de soleil et ça, c'est super agréable. Du coup, on est ensemble, comme le titre l'indique, pour une petite vidéo All News. Alors, c'est vraiment les courses d'aujourd'hui. Je vais essayer de monter au plus vite donc la vidéo et vous la partager le jour même. Donc, on est le 3 avril. Donc, normalement, ça devrait, oui, devrait encore y en avoir. En tous les cas, pour tout ce qui est Pâques, dépêchez-vous parce que les rayons, en fait, sont pas si remplis que ça. Pourtant, il y avait une superbe pancarte à l'entrée. Et ou bien ils ont déjà été dévalisés quoi. Donc c'est intéressant, c'est que des produits Milka, vous allez le voir. Mais je trouve ça super intéressant, en tous les cas par rapport à moi qui ai 4 enfants. Bah oui, parce que même la grande qui a bientôt 20 ans, il lui faut ses œufs de Pâques. Hein. Voilà, Pâques, c'est Pâques. Hein. Alors, sans plus tarder, on va y aller. J'ai 2 sacs. Alors le premier, c'est tout ce qui concerne Pâques. On va commencer par ça. Ce qui m'a fait aller à l'eau, en fait. Donc, j'ai pris ceci. Je crois que j'ai mis mon ticket de caisse quelque part par là. Donc, je reprends. Donc, j'ai pris ça. Et ils sont à 1,99 €. Hop. Dans ce sens, ça sera mieux. Donc voilà, avec mes gamins, ils adorent cela. Donc en fait, j'en ai pris 4. Voilà. Ah ouais, ça c'était le bon plan. Hein. Parce que celle-là, je ne me souviens plus du prix en grande surface, mais je sais que voilà, ils ne sont pas donnés. Du coup, j'étais contente de les trouver. J'ai mes 4 paquets, je vais tous les sortir. Voilà. Une jolie pyramide. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre donc par rapport à Pâques? Alors pareil, j'ai trouvé ces œufs. Il y a des petits Smarties, des petits bonbons, je suppose, à l'intérieur. Oui, voilà, des petits comme des petits Smarties. Et il y en avait avec une dorure donc or, bronze et bleu. J'ai pris pareil, 4, 4, 4. Et un œuf était à 69 centimes. Donc je vais disposer ma petite collection d'œufs. Donc voilà. Or, bronze et j'en ai un qui s'est un peu ouvert. Mais déjà, je suis contente. Tous mes œufs n'ont pas été cassés dans le sac parce que pour les déplacer, je me suis dit, oh là là, j'espère qu'il n'y en aura aucun qui se cassera. Parce qu'ils ne vont pas être contents. Moi, c'est ce qui m'a plu. Après, il y avait des petits sachets, des petits, d'autres petits trucs. Vous verrez si vous avez l'occasion d'y aller. Mais en tous les cas, si c'est ça qui vous intéresse, il faut y aller vite. Il n'y a vraiment plus grand-chose. Sinon, à côté, toujours dans les cochonneries, j'ai pris ça. J'adore ça. Les gamins aussi. C'est un beau paquet, quoi, pour 2,29 €. Et ça, c'est une bonne affaire aussi. Alors ceux-là, par contre, il y en a plein. Vous pouvez prendre votre temps, mais enfin, pas trop quand même, parce que voilà, c'est des arrivages. J'ai trouvé aussi ça. Alors ça, c'est vraiment, ça c'est moi. Hein. J'adore ceux-là. Et ils étaient, donc il y en a 2 dans le paquet, et ils sont à 0,76 centimes. Est-ce que c'est mal écrit? Oh, 75, je dirais. C'est mal tapé. 75, 76. Une place après. Alors, voilà. En cochonnerie, je me suis arrêtée là. Après, pour moi, pour le ménage, pour tout ça, j'aime bien avoir des gants sous la main. Et franchement, je ne les ai pas trouvés chers. Voilà, 99 centimes. En plus, c'est pocket, je peux en glisser dans mon sac et tout. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Il y en a pas mal aussi. Si ça vous intéresse. Donc toujours pour la cuisine, hein, pour le ménage, pour nettoyer mes gamelles. Alors ça c'est un... Combien j'ai payé ça? Pareil, 99 centimes. Alors...
l'hygiène dentaire, ça j'en avais déjà pris, je vous les avais montrés dans l'ancienne vidéo. Ils en ont toujours et franchement, je les ai testés, j'ai adoré, les gamins aussi, du coup j'en ai repris. Je me suis refait un petit stock et ils sont à 50 centimes la brosse à dents. Et ce qui est sympa, c'est que c'est un sachet, donc vous pouvez en glisser une dans votre sac le jour où vous n'avez pas le temps, ou enfin, vous trouvez ça quoi dans votre sac. Vous n'avez pas le temps de rentrer, vous êtes retrouvé bloqué quelque part, vous avez votre brosse à dents dans un petit sachet protégé. Alors, ça, par rapport à ma profession, en fait, j'ai vraiment pas trouvé cher. Et d'une cliente à une autre, faut pouvoir nettoyer, c'est pas toujours facile. Donc, du coup, je me suis pris un petit stock. Et devinez combien? 50 centimes. Et il y a 5 brosses dedans. Donc pour les mains et pour les pieds, il y a deux faces. Ça, c'est pour ma fille et pour moi. C'est au charbon, donc c'est des éponges Conjac pour se nettoyer le visage. Et elles, c'était 1,50 €. Et ça, alors là par contre, il y en a vraiment plus beaucoup. Donc si ça vous intéresse, il faut y aller vite. Donc c'est de Benefit, une base de teint. Voilà, à tester, hein. Et un bronzer. Faites pas attention à mes ongles, il faut que je les refasse. Et un bronzer. Donc de chez Benefit et le bronzer, 1,99 €. Oui, voilà, le même prix pour tous les deux, 2 euros le produit. C'est franchement, c'est donné. Et la suite, alors, je suis passée côté fringues. Ma dernière vidéo, je vous en avais aussi parlé. Donc, les produits, les fringues Camaïeu. Et bah, il y en a encore plein parce que j'ai une de mes abonnées qui m'a dit sous ma vidéo qu'il n'y en avait plus. J'en ai trouvé vraiment plein. Je me suis encore régalée. Je vais vous montrer tout ça. Par contre, peut-être que c'est vrai que c'est un peu fourbi ce genre de boutique. C'est pas évident de savoir où on va trouver nos articles. Donc, quand vous rentrez, vous prenez sur votre droite. Ce sont les fringues qui sont entreposées sur la droite. Alors, il y en a dans des rayons et il y en a dans des bacs aussi. Alors, bien sûr, il faut savoir prendre son temps et chercher dans ce genre de boutique. C'est ça un peu qui est un peu chiant. J'aime pas trop, mais bon. Franchement, j'ai fait une bonne affaire, ça valait le coup. Donc c'est du 50% toujours les fringues Camaïeu. Je vais garder mon ticket de caisse là à côté de moi, comme ça je vous donne les prix. Voilà. Donc, j'avais pris ça en bleu la dernière fois et je l'ai trouvé en crème, couleur crème. C'est des basiques. J'aime bien moi le printemps, ça passe partout, c'est facile à porter. Et je l'ai payé donc. Il était, on va dire, à 16 euros. Donc voilà. Ils le mettent ici à 7,99 €. Un autre basique, simple, blanc, mais j'adore l'élasticité du tissu. Et c'est du bio, coton bio. Pareil, Camaïeu. Et alors lui, il était à 9,99 €. Je suppose que oui, bah 5,99 €. Il y a un paquet de bonbons qui est tombé. Alors, toujours dans les basiques, j'adore ce vert. C'est un peu brillant là au niveau de 5,90 €. Donc 9,90 € le prix de base et je l'ai payé donc à 5,90 €. Ensuite. Alors là, c'est dans les pulls un petit peu plus. Toujours dans le printanier. 15,99 €. Pareil, je l'avais pris en bleu et je l'ai adoré. Du coup, je l'ai repris en noir. Super facile à porter, passe-partout et agréable, très agréable à porter. Il est de base à 15,99 €, donc 7,99 €. D'abord, vous montrer les articles de Camaïeu. Il y a deux, trois articles qui ne le sont pas. Donc ça, c'est Camaïeu. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré le marron, en fait. Donc, il s'est écrit dessus, idéaliste.
En large. Oui, par contre, il n'y a pas plus beaucoup de taille. Hein. Ça ne me dérange pas. Moi, j'aime bien les suites, être à l'aise dedans. Donc, lui, il était à 7,99. Ensuite, alors, j'ai trouvé. Alors, ça, c'est des pulls hommes que moi, je trouve que ça passe très bien. Et puis, de toute manière, je suis un peu garçonne dans mon style. Donc c'est de la marque Massimo Boni et franchement c'est des pulls qui normalement voilà sont pas donnés. Celui-ci je l'ai payé à 5,99. J'ai adoré le style rayure. J'ai kiffé. Moi j'adore ça. Avec un petit débardeur en dessous. C'est parfait pour le printemps. Il est doux. Et le prix, waouh. Parce qu'ils ne sont pas donnés. Hein. Ensuite dans la marque toujours Massimo Boni. J'ai adoré aussi. Alors, il est super large, hein, mais j'aime bien me sentir à l'aise dans mes fringues. Et ça, avec un, ben justement un caleçon que j'avais pris chez Nose il y a un mois et demi de ça, je crois bien. Marron, il ira très bien. Voilà. Puis pareil, comme c'est vraiment pas donné cette marque, j'ai été bluffée de les trouver et de les trouver à ces prix. Donc 6,99. Donc ça, c'est homme aussi, hein, pour les messieurs qui passeraient par là. Et là, alors il va m'aller sûrement moulant, mais j'aime bien. Pareil, c'est toujours une marque mec, mais je trouve que ça passe partout. Il est souple et il est très doux. Donc c'est J Harvest, je sais pas si c'est Jean, Jacques, enfin bref. Je vous mets, je sais pas si vous allez le voir là. Je connais pas cette marque. J'ai fait une petite recherche et j'ai vu les prix. Et ben c'est pas donné aussi. Hein. Et moi je l'ai payé à 5,99. Voilà. Donc par contre voilà, il n'y a que des petites tailles. Hein. Je crois que c'est XS et S qu'il y a. J'ai pris S. Il sera un peu moulant. Mais c'est pas grave, ça fait très joli. Voilà mes petites trouvailles chez Nose. Je vais vous montrer mon petit tas. Les œufs sont cachés. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je suis contente de vous avoir refait une petite vidéo Nose parce que la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai vu qu'elle avait vachement intéressé. Du coup, c'est vrai que c'est pas la première fois que j'y vais pas de façon régulière. J'y vais tous les un mois et demi, j'y fais un saut. Bien maintenant, chaque fois que j'irai, je vous ferai une petite vidéo, je vous montrerai mes petites trouvailles. Voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye!